Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, le retour du ballon à effet. J'avais déjà fait un épisode il y a 6 mois, vous avez surkiffé. Je me suis dit pourquoi pas faire un deuxième épisode. En vrai, j'ai trop hâte de le réutiliser. Le truc il était planqué dans le placard et il était en train de prendre la poussière. Je me suis dit pourquoi pas le ressortir. D'ailleurs aujourd'hui je ne suis pas seul, dans le premier épisode j'étais tout seul. Mais là non, je suis accompagné d'Oriane. Let's go. Elle va pouvoir aussi faire des shoots et nous montrer son petit talent de footballeuse. Attention, c'est bordé. Juste avant de commencer, on va bien s'échauffer correctement. Allez gars, on fait chauffer les pieds. Bon, vous nous excuserez, mais on a complètement oublié de prendre des crampons. Du coup, on va jouer avec les meilleures chaussures pour jardiner. Pas pour jouer au foot, mais comme on est des pros, on va pouvoir faire le nécessaire pour vous lâcher des dingueries. Allez, on passe aux frappes maintenant. Allez, on s'échauffe avec des petites frappes avec un ballon classique. Ah ! Ça commence ! Oh non ! Oh ! C'est pas mal celle-là. Ah ouais, c'est pas mal. Tu veux chercher les ballons, hein ? T'as qui tire, tu vas chercher. Bah alors, attends, je retiens. Quand tu vas tirer, tu vas aller le chercher après. Oh no. Allez, tiens, madame. Tu les mets où quand tu tires? Je les mets sur le sol. Je sais pas tirer avec des ballons comme ça. Tu vas essayer? Ouais. Tu prends bien le ballon comme ça là. Tu sais quoi, je vais rien lui dire. On va voir ce qu'elle vaut. Mais je vais faire mon pied comme ça là. Je sais très bien. Allez. Mais avec mes orteils, on... Toutes tes forces. C'était le ballon qu'il fallait tirer hein. On a perdu un soldat là. Mais après aussi ils sont pas adaptés, j'ai des petits pieds, ils sont tout fins et... Ah mais oui, mais c'est ce que j'avais dit hein. On a vraiment pris les pires chaussures. Mais bon, ça rajoute un challenge. Allez, t'en reste un deuxième. Bon, le premier j'ai raté, donc on va passer au deuxième. Mais bon, pas fameux. Bille. Let's go. Ouais. C'est envie de mes tirs. C'est pas mal, t'en as mis un au moins. Je veux mieux moi. Oh non! Elle était bien partie hein! Ah ouais, elle était bien! Mieux que les tiennes en tout cas! Hey! Mais moi je sais pas tirer haut! Mais tu tires avec la pointe du pied! Mais je sais faire que ça! Oh! Ouais, bon! Bah t'as mis les deux buts! On va passer maintenant à un mini-jeu! Tu me donnes combien d'essais? Oh. Bah je te dis pas! 3! Quoi? Bon, je vais avoir 3 essais pour mettre la barre transversale! Si je rate, Oriane elle aura le droit de me tirer dans le cul! Yeah! Oui! Oh punaise! Par contre si j'y arrive, c'est toi, tu mets tes fesses comme ça et boum! Non. Ah! Let's go! Allez, mets ton petit cul! Non, c'est pas prévu ça. Et si je mets une deuxième fois d'affilée? Là oui. Oh, t'as eu chaud. Ah, je me suis amélioré hein. Comme je suis un très bon joueur, je vais remettre mon jeu en titre. J'ai fait la barre d'ici, sauf que maintenant je vais la faire du milieu de terrain. Tu veux jamais le faire? Si. Non. Comment ça? J'ai du coup combien d'essais là? 10. Mais non, c'est beaucoup trop. Bon, 5. 5 essais pour mettre milieu de terrain et la barre transversale. Et par contre, si j'y arrive, bah y'a rien. Je gagne, mais si je perds, un ballon dans le cul. Ah, ils sont malins là. Il a refusé les 10 essais. Hé, hey, qu'est-ce que tu dis? Rien. Mais attends, mais c'est hyper loin. Regarde. C'est pour ça que je te disais 10 essais là. Les pro football, mettez en commentaire combien il y a de mètres entre le point du centre du terrain et la barre transversale. Bah en fait ça je pense que tu trouves sur internet hein. Moi j'avoue j'en sais rien. Mais attends, est-ce que je peux tirer comme ça? Pom. Non. J'arriverai jamais. J'arriverai jamais à l'atteindre hein. Tu tires comme tu veux. Bon du coup j'ai 5 essais, je vais essayer plusieurs techniques. La première ça va être en reprise. Je crois que c'est un peu trop. Ah ah, t'as vu ou pas? J'ai touché la barre hein. Mais la barre de la barrière. Bah du coup c'est nul. Oh non. Faut que j'aille la chercher. Okay. Je pense que la reprise ça va être la meilleure solution. Ouais, quoique. Je crois pas. Ok, je vais essayer par reprise alors. Bah c'était mieux déjà. Bon là du coup, dernier essai, il a raté comme un débilouche. Et après je vais pouvoir lui tirer dans le cucu. Dernier essai hein. Allez, musique suspense. J'en fais trop. Allez, on passe à l'exercice suivant. Je vais te tirer dans le cul. Allez, je prends mon gage. Tu fais doucement hein. Attends, t'as combien d'essais? Autant que je veux. Non. Jusqu'à ce que je touche tes fesses. Ah ah. Dans le cul, on a dit. Oh punaise. Je refais. Ah, yeah. Ah, ah, non. Yes. Ah, ah. Encore? Mais non. Ah, ah. Mais ça fait mal. C'était moi, j'ai deux balles, je voulais te faire tomber.
Bon les amis, je crois qu'on s'est un peu égaré. De base on devait tester un ballon à effet. Je me retrouve à me faire des croche-pattes et à me tirer dans les fesses. Je vais faire la première frappe. Ça fait 400 ans, j'ai oublié comment ça tue. Tire pas trop fort. Si si. Wow, t'as vu? Ouais. Il est sorti, il a frôlé la lucarne. Les amis, regardez, j'ai mis la caméra dans l'axe. Vous allez bien voir l'effet de ouf que ce ballon peut faire. Oh, c'était tarte stylé. T'as vu? Il est super léger, donc c'est super dur. Celui-là, c'est le bon. Il est parti dehors. Non. C'est un oiseau ou c'est un ballon? T'as eu de la chance qu'il n'aille pas plus haut. Wow. C'est possible. Oh, il l'a frôlé hein. Mais oui, il fait comme ça. Il fait une curviligne potence X. Curviligne potence X. Boom. Elle était très belle celle-là. Ouais. Bon, maintenant j'ai bien tryhard. C'est Aurienne. Elle a intérêt de mettre des frappes de fou. Pas plus belle que la mienne, mais à peu près. Bon, là c'est à moi, je vais mettre des frappes de ouf. Quoi? C'est une grosse blague. Première frappe, c'est dedans. Oh merde. Allez. Alors je me rapproche parce que je suis nulle. Oh! Oh! Ouais, je vais essayer de faire une barre transversale. Je garantis pas le résultat, mais bon. Oh! Home run! Allez derrière! Elle commence à ressentir ce que je ressens quand ça fait 800 heures que je suis en train de tirer. Le ballon, il fait que voler comme un oiseau volant. Logique. C'est pas ce que je voulais. Mais faites un peu là! Je suis contente! Mais je vais mettre une deuxième fois! Quoi? De base, la fille, c'est une grosse blague! Ah bon, j'ai filmé comme un plouc, mais. Bon, maintenant on va faire des tirs au but avec le ballon à effet. On va voir ce que ça donne parce que ça feinte de ouf le gardien. Tiens, allez, au cage! Aïe! Oriane est au cage, je vais pouvoir faire le maximum d'effets. Oh, ça a été belle. Avec ce ballon, on peut vraiment tout tenter. C'est ça qui est excellent. Et même pas besoin de tirer fort en réalité. Oh, dommage. J'ai essayé une reprise. Je vais le refaire. Oh, elle était dehors, elle est revenue sur toi. Allez, j'ai mis mes petits buts. C'est à mon tour d'aller au cage. Give me the point. Premier tir. Non, le ballon en vrai il est hyper léger, c'est vraiment une galère à maîtriser ce truc. En plus il y a du vent, les conditions sont vraiment pas optimales pour faire des frappes de ouf. Je vous en fais une dernière pour prouver que je suis un monstre. Allez. Bon allez hein. On coupe. Bon ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. En vrai on s'est super bien amusé avec ce ballon, il est vraiment drôle. On peut s'amuser à faire des gros effets et tout. Pas besoin d'avoir beaucoup de force pour faire des trucs de fou. En tout cas les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. L'abonnement aussi, ça fait grimper la chaîne. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était le producteur, ciao les poulets, yeah.